Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve papa et moi pour faire une ouverture de la Zbox. La box geek. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir sans plus attendre après le générique. Ijirimi t'invite maintenant chez lui. Allez, on va l'ouvrir, donc la Zbox, Box Geek, comme Lucas vous le disait juste avant le générique. Et je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Mettez un pouce bleu si vous aimez les vidéos de box. Et surtout, dites-nous quel objet vous avez préféré dans les commentaires. Qui commence? Comme tu veux. Allez, je commence. Je ne regarde pas. C'est le papier, on va pas se spoiler. Ouais. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais prendre le... T-shirt. T-shirt. Comme d'habitude. Alors, oh là, déjà on voit... Rick and Morty. Il est sympa. Ah non, mais je fais durer le suspense pour toi et pour vous. Je fais durer le suspense. En tout cas, je peux vous dire qu'il est génial. Regardez. Oh, énorme. Ah, il est stylé, j'aime bien les couleurs comme ça. Un peu rouille, vieux. Ouais, ça fait vintage, ça. Il est discret, c'est bien. Ouais. Ouais, pour l'été, c'est bien ça. C'est du XL, hein, c'est pour moi, c'est ma taille. Exactement. À toi. Derrière moi. À l'aveugle, hein. À l'aveugle. Prends un petit truc. Ah. Punaise, tu prends un gros truc. Ouh. Alors, c'est une figurine du film Ça, It, comme on peut le voir en haut. Franchement, elle est super belle. Attends, on va l'ouvrir. Il y a un bout de scotch. Oh, il est stylé parce que ça fait style noir et blanc et avec le ballon rouge. Je rappelle, c'est un film d'horreur. Ouais, il est 18. Tu l'as pas vu? Tu l'as vu? Non. Tu l'as pas vu? Pas vu. Franchement, ces figurines là. En plus, c'est une Zbox exclusive. Vous pourrez la retrouver que dans la Zbox. Pennywise. Franchement, elle fait bien flipper quoi. Avec le ballon rouge, elle fait vintage parce que elle est en noir et blanc. Avec le beau ballon rouge, ouais. Et le design, il est magnifique. Franchement, rempli de détails. Bon, en tout cas, dans les dernières Zbox, on a toujours eu une grosse figurine comme ça, originale. Ouais. Et ça change des figurines pop, j'aime bien. À moi. Qu'est-ce que tu vas prendre? Oh. Un porte-clé. Oh. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais... Bah si, c'est un porte-clé Jurassic Park. Attends, je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Mais il y a une particularité parce que c'est pas en français, c'est pas en anglais. Enfin, remarque, le titre en anglais, Jurassic Park, c'est pareil. Anglais-français, c'est pareil. Voici un magnifique porte-clé Jurassic Park, version japonaise ou chinoise. Je sais pas la différence, vous me le direz dans les commentaires si vous connaissez. Mais il est vraiment génial. On a le 1005 sur 9995. C'est limited edition, je le connaissais pas. C'est à moi. À toi. Sinon, on pourrait avoir un truc. Ah, je tiens quelque chose, c'est lourd. Wow. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est... Alors par contre, ça c'est super lourd. J'ai pas vu moi ce que c'est, je ne sais pas. Regarde, c'est Alien. Ah, Alien. C'est super lourd. Ah, et il marque quoi? Bottle opener, c'est un ouvre-bouteille. Un ouvre-bouteille. Un décapsuleur. Donc, voilà, un décapsuleur. Et c'est en forme d'œuf avec... Ce n'est pas du tout moi, donc je pourrais pas. Avec le face hugger qui sort de l'œuf. Ah oui, et franchement, c'est pas mal. Parce que t'as l'ouvre-bouteille qui est là. Ici. Et à l'arrière, t'as deux magnettes. Ça, c'est pratique. Voilà, tu peux le mettre au frigo. Je vais te le montrer en détail. S'il n'est pas magnifique quand même. Et franchement, il est très lourd. Et c'est pour les 40 ans. Il fait flipper quand même, hein. Ah, fait flipper là, le truc qui te sort là. Mais il sort pour te décapsuler ta bouteille, c'est bien. Pas pour sauter dessus. T'aimes bien, hein. Il est super beau et franchement, il est lourd. Hein. Et puis il y en a une bonne présence, non? Ah, bah il n'y a plus rien. Ah, il n'y a plus rien. Ah, bah. Le dernier item. Franchement, moi je suis content, il y a du Jurassic Park. Ouais. Qu'est-ce que t'as préféré? Bah, moi, franchement, le porte-clés et ça. Parce que je le trouve super bon. Le porte-clé Jurassic Park? Ouais, le porte-clé Jurassic Park. Ah, il est pas mal. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien la franchise Jurassic Park. Mais la figurine, quand même. Ouais, super belle. Hein. Pennywise. Même le t-shirt, tu vois. J'aime bien. J'aime bien tout. C'est super dans cette époque. C'est utile parce que le porte-clé, c'est utile. Il y a aussi bien de la déco. Des capsules. Franchement, bien. Et vous, qu'est-ce que tu as préféré, toi? Oui, derrière ton écran. Qu'est-ce que tu as? Ouais. Marque-le dans les commentaires. Dis-nous ce que tu as préféré dans les commentaires. Lâche un follow et partage la vidéo sur les réseaux sociaux. Ouais. Et n'oublie pas de me suivre sur YouTube, mais aussi sur Twitch. Sur Twitch, on joue avec Lucas aussi de temps en temps. Profites-en. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur YouTube, mais aussi en live sur Twitch. Allez, à ciao. Salut. Salut.